Bonjour et bienvenue donc pour ce rendez-vous consacré aux législatives. Nous étions depuis mardi avec des candidats dans la deuxième circonscription. Nous voici à présent dans la première circonscription avec de nouveaux candidats. thémataï Le gaïc pour le Tavini ou et puis James O pour le Rassemblement national de Marine Le Pen. Nous débutons avec le député sortant dans cette première circonscription, Thématay Le gaïc Bonjour. Yorane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous savez que vous allez être jugé sur votre bilan en Qualité de député pendant les deux années passées donc à, à l'Assemblée nationale. Alors c'est court, mais en même temps, euh, si on veut être très direct, qu'avez-vous fait pour la Polynésie française, pour les Polynésiens en deux ans Alors pendant ces euh, deux années, la première chose qu'il faut arriver à faire, c'est de créer un réseau au sein de l'Assemblée nationale, euh, sans forcément trahir ses valeurs politiques. C'est la raison pour laquelle, euh, avec euh, d'abord le L'actuel président Moïté Broderson et euh, le député Steve Chailloux, puis Mériana red Arbelo. nous nous sommes euh, placés au niveau de ce front de gauche, avec l'ensemble des, des, des partis de gauche euh, réunis au sein de la NUPES, euh, afin de faire front commun sur euh, des sujets sur lesquels nous sommes tombés d'accord. Et mmh. les deux premiers sujets euh, sur lesquels euh, je me suis investi, c'était la question de la précarité étudiante et la question de l'accès à l'eau euh, pour tous. Euh, grâce au travail que nous avons fait, que ce soit les trois députés polynésiens et l'ensemble des députés outre-mer, puisque ce sont des, des thématiques euh, qui nous échèrent et, et, et dont nous euh, subissons les mêmes difficultés. Nous avons réussi euh, deux points forts sur la précarité étudiante, après deux ans d'amendements, de questions écrites, de questions orales, euh, à faire euh, en sorte que le gouvernement euh, français puisse euh, mettre en place deux nouveaux dispositifs élever le seuil d'éligibilité à continuité territoriale pour permettre à plus de foyers d'en bénéficier, et le doublement de la prise en charge du billet d'avion pour les néo-bacheliers qui partent en France faire leur première année d'études. C'est un travail de longue haleine, et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut reconduire des députés qui ont déjà fait ces deux ans, qui connaissent l'Assemblée nationale telle qu'elle est constituée depuis 2022, parce que finalement les... Les enjeux ne vont pas, enfin les, les les blocs politiques ne vont pas se modifier. Ça va être dans mmh. la continuité. On le voit à l'échelle nationale. Et il faut aller extrêmement vite euh, dans euh, le réseautage et dans le travail euh, qui a déjà été entamé. Alors le député ne peut pas créer directement d'emplois, ce n'est pas de ses compétences directes. En revanche, il peut créer, donc on le sait, les conditions favorables à la création d'emplois. Sur la défiscalisation en faveur des entreprises ou alors euh, alléger la fiscalité, on était en droit de penser que là, vous alliez faire quelque chose dans ces secteurs. J'ai eu la chance pendant ces deux années euh, d'avoir été nommé rapporteur du budget outre-mer avec un, un autre député euh, d'outre-mer de Guadeloupe, Christian Baptiste. Euh, C'est la première fois qu'un député polynésien est, est, est nommé à, à cette responsabilité, à cette fonction. Et euh, lors de ce travail sur le budget outre-mer, on a été interpellé, d'abord euh, on a subi, puis être interpellé, euh, subi euh, la réduction des des secteurs d'activité éligibles à la défiscalisation. Euh, pourquoi Parce que dans la vision de Bercy, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'était mmh. déjà le cas lorsque Bruno Le Maire était dans le gouvernement euh, Sarkozy. Il faut réduire ces niches fiscales, de défiscalisation, et il faut essayer de réduire la voilure euh, dans euh, ce type de niche fiscale. Nous ce qu'on a proposé, en tout cas, c'est dans la continuité de ce qu'on propose avant qu'il y, qu y ait eu cette, euh, cette dissolution, qu'on ouais. qu puisse faire un partenariat État-Pays pour décider ensemble des secteurs d'activité éligibles à la défiscalisation, parce qu'on le sait, beaucoup d'entreprises qui souhaitent avoir la défiscalisation locale est gagées par la défiscalisation nationale et vice-versa. Donc, le plus important pour nous, c'est que l'État euh, se rende compte qu'on est capable aussi en tant que pays de venir investir dans les secteurs d'activité. Ce ne sont pas des niches fiscales qui ne servent à rien, ce sont des secteurs porteurs et on souhaite avoir un contrat État pays sur ces types de d'activités. C'est difficile à mettre en place. Le plus difficile c'est quand il y a une question d'argent. Forcément, mmh. euh, on l'a vu, hein, la dette de la France euh, et le déficit annuel de la France a, a augmenté euh, ces dernières années. Euh, donc forcément, on, on essaye. Le gouvernement français essaye de trouver de l'argent, on l'a vu sur la question des fonctionnaires d'État, avec la suppression de l'ITR et le remplacement par un système par capitalisation, dont nous sommes contre, hein. nous sommes défavorables. Et c'est tout le travail que Mériana a fait pour essayer d'avoir une pension civile pour les fonctionnaires d'État à la hauteur euh, de, 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 de la vie chère euh, dans notre pays. C'est encore un, une autre articulation que nous avons faite à l'échelle nationale mmh. pour essayer de soutenir les retraités polynésiens fonctionnaires d'État. Mais. Euh, c'est tout le travail de lobbying que nous devons faire. Les relations euh, avec l'État même si nous sommes indépendantistes, mmh, mmh. euh, n'a pas changé. Au contraire, euh, ils sont très intéressés de cette vision d'essayer de faire en sorte que la Polynésie soit de plus en plus autonome financièrement, mmh. puisque c'est l'objectif et on l'entend euh, lorsque le président Emmanuel Macron se déplace. Il s'est déplacé la dernière fois en Guyane. Il souhaite que la Guyane, comme tous les territoires d'outre-mer, soit porteur d'activité pour qu'il soit moins dépendant économiquement de l'Hexagone. Mmh. – Une des réussites une des victoires, on peut peut-être l'appeler comme ça, de, des indépendantistes justement euh, à Paris, est-ce que ce n'est pas justement cette image que vous êtes arrivé à, à changer. En 2022, et, et je le dis souvent euh, ces derniers jours, les Polynésiens ne sont pas les seuls à avoir fait le choix d'envoyer euh, des députés qui ont cette volonté d'aller plus loin dans la question de l'évolution institutionnelle. Euh, on a accueilli ici, euh, lors de la mission d'information sur l'évolution institutionnelle, quatre députés, deux députés euh, d'Hexagone et, et deux députés euh, d'Outre-mer, qui ont fait un constat que dans l'ensemble des territoires d'Outre-mer, il y a une volonté, si ce n'est qu'à Wallis et Futuna ou à Mayotte, oui. il y a une volonté dans tous les territoires d'Outre-mer de revoir cette relation avec l'État, quitte à aller jusqu'à l'indépendance en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Et finalement, l'État a compris. Cet, cet enjeu et est en train également de s'adapter à cette réalité qui vient du terrain. Et donc finalement, venir encore une fois euh, avec euh, l'éventail de la peur de l'indépendance, l'État n'y est plus, puisque l'État euh, est dans un nouveau partenariat, on le voit avec euh, le, 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 la dernière lettre a envoyé Emmanuel Macron aux Calédoniennes et aux Calédoniens. Euh, il souhaite une nouvelle relation, un, un ensemble sur lequel euh, la Nouvelle-Calédonie, comme la France, peut partager des valeurs communes, quelle que soit l'évolution institutionnelle. Et c'est sur ça que l'État est en train de travailler. Cette évolution institutionnelle, elle doit, elle doit aller plus vite, d'après vous, ou alors il faut se donner du temps Je l'ai toujours dit, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de moyens, et c'est surtout, surtout une question de volonté. Euh, je ne suis pas... En, en fonction de, de comment est-ce qu'on voit un statut d'autonomie, euh, il y a un côté positif et un côté négatif. Si on voit le statut d'autonomie comme un statut qui permet d'engranger le maximum de compétences et le maximum de moyens afin de sortir de cette dépendance, alors on va euh, vers une situation euh, de souveraineté, souveraineté euh, agricole, de souveraineté économique, de, mm -hmm. de souveraineté politique. Mais si on voit le statut d'autonomie comme un moyen de continuer cette dépendance, mais juste en ayant euh, les, 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 les petits archétypes euh, d'une petite souveraineté, euh, mais toujours dépendant financièrement à la France, comme on l'a vu euh, il y a 20 ans, euh, non, ça ne va pas marcher. Et, et c'est la raison pour laquelle euh, je suis content que nos amis euh, autonomistes euh, euh, viennent sur des positions euh, assez euh, indépendantistes, hein, puisque j'ai entendu euh, euh, sur votre plateau d'ailleurs euh, certains responsables politiques dire qu'elles qu n'étaient pas contre l'indépendance, mais contre l'indépendance d'un certain mouvement politique. Ça veut dire qu'il y a un, un chemin pour lequel nous sommes tous pour l'indépendance. Euh, quand on parle de l'indépendance, évidemment, de la souveraineté politique. Et je pense que ce débat dépassionné, euh, de la question de l'indépendance ou pas, il doit, euh, on doit s'en extraire, oui. parce que il faut regarder la réalité en face. Dès lors qu'on décide d'avoir un système législatif différencié de la France, dès lors qu'on se dit que la majorité des lois est décidée ici et que la majorité de la fiscalité polynésienne est décidée ici, on ne peut plus avoir une relation de dépendance avec l'Hexagone, surtout qu'on est à l'autre bout de la terre. Oui. Mais ces relations doivent continuer si les Polynésiens le souhaitent. Alors, Moueté Peterson répète souvent qu'il faut se donner du temps. Hein, ça ne peut pas se faire euh, très vite euh, avant de consulter la, la population. Euh, on a l'impression, par contre, euh, du côté du, du, du patron, du chef du, du Tavini, Oscar Temaru, euh, on veut aller plus vite. Vous vous, vous inscrivez dans quelle... Euh... La force du Tavini-Huir-Atira, c'est son unité depuis 1977. Euh, les valeurs qui sont portées par le taveni Huir atire, et l'objectif qui est porté par le Tāviniwhiratira, il est le même, c'est-à-dire de faire en sorte que les Polynésiens puissent diriger eux-mêmes leur pays. Donc la souveraineté politique. Ensuite, euh, nos cadres que nous respectons n'ont pas les mêmes cicatrices ou les mêmes histoires que nous. Euh, je me rappelle, il y a encore euh, 30 ans, je me rappelle, euh, j'ai des euh, photos, des vidéos puisque mmh. je n'étais pas né. Mmh. Euh, d'un certain Oscar Temaru qui était considéré comme terroriste parce qu'il faisait des manifestations avec Henri Hiro contre la bombe, contre les essais nucléaires. Aujourd'hui, le combat contre les essais nucléaires, il est partagé par tous, même par ceux qui l'ont défendu pendant 40 ans. Donc forcément, euh, lorsqu'on se retrouve face à, ce, à ces personnages qui ont des cicatrices extrêmement euh, difficiles sur ces sujets, euh, on peut comprendre, euh, surtout que... Euh, on, le soleil n'est pas à la même heure pour tout le monde. Mais encore une fois, le plus important, c'est que dans la vision des Polynésiens, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question de temps, mais une question de volonté, dès lors que les Polynésiens, dans leur unité, seront favorables à aller plus loin, et à récupérer, à retrouver cette souveraineté politique, je pense qu'on va aller plus vite. Si vous retrouvez votre fauteuil et votre écharpe, donc de député à l'Assemblée nationale, quelle va être votre priorité, le dossier numéro un sur lequel vous comptez travailler C'est difficile de de faire un choix entre tous les sujets sur lesquels on, on a travaillé, mais euh, s'il y a un dossier sur lequel, en tout cas de mon côté, parce que moi bon, je le dis encore. La, la force de, euh, notre, de notre tandem, mmh. euh, c'est notre tandem, c'est notre unité et notre capacité à pouvoir se répartir dans les différents domaines pour être efficace dans l'unité. Moi, ce que j'ai peur, c'est ce qu'on a vu ces précédentes années avec euh, des députés qui ne partagent pas les mêmes avis, qui ont des avis différents. J'ai encore euh, regardé les PV des euh, députés euh, lorsqu'il y avait un certain Edouard Fritsch, un certain euh, Michel Buillard qui était à l'Assemblée nationale ou, ou euh, mm. Jean-Paul Touaïva, euh, Nicole Sonker, Maïna Sage qui n'étaient pas du tout sur les mêmes. Et on a une cacophonie. La chance, c'est notre unité et euh, s'il y a un poste que j'aimerais retrouver, c'est rapporteur du budget Outre-mer parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de sujets euh, fiscaux, il y a mmh. beaucoup de sujets économiques sur lesquels nous devons être euh, mais, en avant. Mais, Alors le sujet prioritaire, ce serait lequel Pour vous On va dire qu'il y a deux sujets. Un sujet sur le temps court, c'est la question de la défiscalisation. Parce que... Euh c'est urgent puisque la défiscalisation euh, va venir, est à deux doigts euh, de, de dépérir comme on l'a fait pour l'ITR. Euh, et un sujet sur un talon, c'est la question du retour des fonctionnaires et revoir les critères du CIMM, faire en sorte que le CAPF, les concours pour les fonctionnaires d'État en Polynésie soient euh, la priorité avec euh, l'inclusion des catégories A pour que euh, les Polynésiens puissent bénéficier de ce dispositif. Il vous reste une poignée de secondes, vous vous adressez aux auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour euh, bien les inciter à voter pour vous le 29 juin Je sais qu'on a traversé une élection européenne et, et, euh, et la dissolution n'était pas prévue. Pendant deux semaines, on va venir vous voir et, et il y a euh, une actualité politique extrêmement dense euh, qui, euh, parfois, ne euh, euh, nous donne pas envie d'aller voter. Mais le plus important, quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est que vous puissiez vous exprimer, puisque euh, cette expression le 29 juin, ça va être pour cinq ans. Merci beaucoup, euh, Thémataï Legaï. qu'on vous retrouve dans un court instant avec Carlos Natois pour l'interview en Tahitien. Je vous rappelle juste les trois autres candidats dans cette première circonscription Jackie Briand pour Réurale Vert, Mouerani Frebo du Tapura de la plateforme autonomiste, et puis James O pour le Rassemblement National, et que nous retrouverons tout à l'heure. Merci encore. Maruru.